Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème un peu spécial, c'est le déconfinement lié à la photo de rue. C'est parti! Alors, le déconfinement et la photo de rue, le droit à l'image. Donc, ce qui pouvait poser problème en droit à l'image auparavant est en quelque sorte révolu ici avec le déconfinement, puisqu'en fait, chaque personne va porter un masque donc, pour se promener dans la rue. Donc, du coup, les gens seront moins reconnaissables et ça va permettre d'avoir une nouvelle approche en photographie de rue. Du coup, ça va permettre deux choses. Soit d'aborder les gens en photo de rue, ou soit carrément en restant plus discret et en respectant toujours la scène de ce qui se passe. Donc en fait, l'un et l'autre a quand même son avantage puisqu'on pourra peut-être faire même des portraits de rue, donc de personnes portant le masque. Et ça, ça va être intéressant. Mais si vous voulez garder cette authenticité de la scène, il va falloir quand même être discret et pas approcher trop votre sujet. Mais ce qu'il y a à retenir ici, c'est que comme les gens vont être masqués, il va avoir une souplesse par rapport au droit à l'image pour la photo de rue. Donc les gens ne seront pas reconnaissables et c'est là qu'il faut en profiter pour s'exercer à la photographie de rue. Donc, ce qu'il faut garder en mémoire toujours, c'est que la photographie de rue, en fait, c'est raconter une histoire en image. Donc du coup, il faut montrer ce qui se passait au moment où vous faisiez la photographie. Il faut garder cette émotion intacte. Donc c'est important de rester discret en faisant vos photos pour garder une authenticité de la scène. Mais vous pouvez quand même aller au-delà, aller demander à la personne si vous pouvez la photographier, vous pouvez réaliser un portrait de rue. À mon avis, les gens seront plus ouverts pendant cette période de déconfinement. Voilà. Alors il faut quand même rester respectueux envers la vie privée des gens quand même. Hein. C'est pas parce qu'on est en déconfinement qu'il faut se permettre de faire tout et n'importe quoi, mais ça va permettre quand même d'approcher certaines personnes. Et pour les plus timides qui aiment la photo de rue et qui veulent approcher les gens, ça va leur permettre de pratiquer et de s'exercer justement à faire tomber cette peur. Donc là, c'est vachement intéressant. Ensuite, en ce qui concerne la créativité pendant cette crise sanitaire, donc déjà, pour se démarquer, en fait, alors il va falloir apporter de la créativité à vos images. Ce qu'il y a, c'est qu'il va y avoir beaucoup de personnes dans la rue qui vont être masquées. Et du coup, si vous n'apportez pas de la créativité à vos images, vos images vont ressembler à monsieur, madame, tout le monde en fait. Parce qu'il va y avoir énormément de personnes qui vont faire de la photographie de rue, je pense, pendant cette période. Mais vous, il va falloir vous démarquer en jouant avec la créativité. Comment faire? Après, il y a quelques exemples que je peux vous expliquer. Donc, on peut jouer avec le flou d'arrière-plan. Donc, si on veut mettre quelqu'un en avant, ou alors un masque, ou alors une main, ça peut être plein de choses. On peut jouer avec le flou d'arrière-plan justement pour faire détacher le premier plan de l'arrière-plan. Après, il y a des possibilités aussi de répétition de scène. Si vous avez plusieurs personnes masquées à la suite, ça peut être intéressant de les empiler côte à côte. Ou, voilà, c'est vraiment des idées de créativité que je vous donne là pour vous démarquer un peu des autres. Et ça peut être sympa de s'amuser pendant cette période avec ça. Ce qu'il y a, c'est que comme les personnes vont porter un masque, en fait, c'est comme si elles portaient un uniforme, en fait. Donc, du coup, les personnes vont se ressembler dans la rue et du coup, ça va être assez sympa à rechercher de la créativité. Voilà. Sinon, pour les objectifs, donc quel objectif choisir pour le déconfinement et la photo de rue? Alors là, ça va être vraiment selon la créativité que vous devez donner à vos images. Donc, si vous utilisez un grand angle, vous allez pouvoir vous placer au plus proche de votre sujet en profitant de la déformation des grands angles. Donc plus vous êtes proche de votre sujet et plus il va y avoir des déformations où ça va déformer un peu les perspectives, ça va déformer un peu les têtes des personnes et on peut s'amuser avec ça, ça peut être marrant. Donc tout ce qui est grand angle, c'est tout ce qui est proche, au plus proche de zéro avec des angles larges pour prendre la photographie. Après, si vous êtes plutôt adepte des téléobjectifs, vous pouvez aussi garder vos distances en fonction de la scène. Vous pouvez garder une distance et vous pouvez photographier assez loin. Cependant, tout ce qui est zoom, qui zoom loin, plus on zoom loin, plus l'angle de champ se rétrécit et plus on a des cadrages qui sont assez serrés. Moi, ce que je conseille plutôt, c'est un 35 ou un 50 mm qui permet vraiment d'avoir une vision standard et d'être un peu polyvalent. Après, c'est vraiment en fonction des goûts, vraiment en fonction de vous, ce que vous aimez faire. Donc, voilà. Donc ensuite, le déconfinement, ça va vraiment être un événement unique. En fait, c'est un événement qui va rester marqué dans l'histoire, comme le confinement
qui a lieu là depuis 2 mois. En fait, c'est un événement en fait comme par exemple quand il va y avoir une éclipse, quelque chose comme ça, bon nombre de personnes se préparent justement à photographier cet événement. Mais là, le déconfinement, en fait, les photos que vous allez prendre, c'est des photos qui vont rester marquées dans l'histoire, et du coup, des photos qui vont être vues par les générations suivantes. Donc du coup, c'est vachement intéressant de s'attarder un peu dessus, sur la créativité pour vous démarquer. Donc, moi je pense que les photographies, elles peuvent être positives ou elles peuvent être négatives. En fait, c'est à vous de voir, à vous de montrer la vision des choses, comment vous vous l'interprétez, comment vous voulez le montrer. La vision positive, ça peut être de l'émotion dans un regard. La vision négative, ça peut être des déchets, par exemple, des gants qui traînent par terre, des choses comme ça. Après, c'est vraiment à vous de voir, je vous donne quelques idées là-dessus et je pense que ça vaut le coup de s'y attarder. Donc, qu'est-ce que vous voulez montrer en photographie de rue ? Donc, vraiment, il faut être observateur de la scène. Donc, chaque scène aura du potentiel. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est vraiment, je pense, montrer le déconfinement comme un reportage. En fait, il va avoir le boulanger masqué en train de préparer du pain, il va avoir le boucher masqué en train de couper de la viande, il va y avoir le coiffeur masqué en train de couper les cheveux. En fait, chaque scène aura du potentiel, et tout ça juste avec un petit bout de masque en fait. Avec un masque, en fait, ce masque tant convoité pendant cette crise sanitaire, il va prendre toute son ampleur parce que ce masque, c'est ce qui va rendre vos photographies encore plus fortes. Donc du coup, en fait, chaque photographe pourra avoir un reportage qui est différent en fonction de la scène. En fait, et c'est ça qui est super intéressant en photographie parce qu'on va rentrer dans votre vision des choses, dans ce que vous avez voulu montrer. C'est ça, en fait, qui rend la photographie intéressante. Donc pour conclure vraiment sur cette vidéo, moi, je trouve qu'il est important de faire des photos pendant ce déconfinement. Donc en fait, moi en faisant l'article sur le blog plus la vidéo, j'avais envie de vous parler en fait d'un moment qui va rester gravé dans l'histoire. Et en fait, ce moment unique lié à la pandémie et au confinement, puis au déconfinement, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça va permettre de pouvoir s'exprimer pleinement et plus ouvertement qu'habituellement. Parce que comme en photographie de rue, il faut quand même faire attention. Quand on fait des photos, on a le droit hein, de faire des photos dans la rue, c'est juste qu'il faut faire attention en fonction des photos que vous allez en faire. Si la photo porte atteinte à la personne, là, ça peut être gênant. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il faut profiter. Si vous êtes dans une grande ville urbaine, il va y avoir beaucoup de gens dans les rues masqués. Il va y avoir des gestes barrières, des distances maintenues. Et en photo de rue, on vit tous un moment unique où on est tous reliés ensemble. Ces photos-là vont être compréhensibles par tout le monde. Donc du coup, chaque élément, chaque objet, chaque objet comme des gants, des masques, des blouses, voilà, tout ce que vous voulez. Tout ça, ça va être intéressant à montrer en photo de rue parce que ça va être immédiatement compris par les personnes. Donc voilà. Donc en fait, moi, ce que j'avais voulu vous montrer en faisant cette vidéo et cet article sur le blog, c'est vraiment d'observer les choses parce que les choses vont se présenter pendant ce déconfinement. Et ça va être intéressant de les mettre en image, justement pour les générations futures, mais aussi pour montrer la vision de chaque personne pendant ce déconfinement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça m'encourage pour la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater la suite. Sinon, je vous invite sur le blog, vous pouvez voir l'article plus en détail. Si l'article vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Ça permettra de faire découvrir cet article et ça permettra de faire vivre le blog. Merci à tous. À bientôt.